Bonsoir à tous, alors ici Yuskilo en compagnie de Sterert qui n'apparaît pas. Théo. Non, je suis caché, c'est moi qui conduis l'avion. D'accord. On est mal barré, ça commence bien. Et de notre cher Emmerich 060 ou Alfeust. Oui, l'empereur. Cette fois-ci, voilà. Bon, je découvre aussi la map, à vrai dire, je ne connais même pas le nom de cette map. La seule chose que je sais, c'est qu'on va bien tous rire tous ensemble. J'ai fait oui. Atterrir l'avion. Bon, Dusterhertz, vas-y, présente-nous cette map succinctement. Donc alors, cette map se nomme Olan Island. Elle a été créée par Enma. Alors, je suis pas sûr de la prononciation. Il m'excusera, c'est un auteur anglais. Et donc, cette map a été postée lors d'un concours de Planet Minecraft, dont le thème était Build Steve a Resort on this Island, soit construire pour Steve un parc d'attractions sur cette île. Pourquoi, oh merde. Bon, on y va, hein. On y va, donc on commence par quoi? Par le petit bateau, par le... Je vous suis, hein, je ne connais absolument pas. Moi je commence. Ah oui, par contre, nous sommes en créatif, c'est pour la simple et bonne cause qu'on se soit. Ah non, non, moi. Ah, moi si, sinon c'est trop bon. Alors, j'ai bien compris, on commence par ce bateau. Oui, donc alors le petit bateau. Bon, je vous montre de mon côté un petit peu l'hydravion qui est quand même pas mal bien modélisé, hein, avec des torches très réalistes. C'est ce qui est bien, Mob, c'est vraiment qu'on reconnaît les. Les objets. Les objets, c'est vrai que pour le. Alors, et vous voyez, il y a un villageois actuellement qui. Ah, il est pas tout seul même. Oui, c'est alors, mieux pour qu'on l'aide. Vraiment bien fichu le coup des villageois. Ouais. Les villageois, c'est vraiment. Si j'ai bien suivi, les villageois peuplent un peu partout pour créer une sorte de d'ambiance. Oui, oui. Bah, en fait, Dusterhertz et moi là, avons vu la map avant. Par exemple, on a des. Enfin, on va vous montrer ça. Enfin, si vous voyez là, juste en face, il y a une plage. Dans cette plage, il y a des marchands de plage. Et ben, les marchands de plage, ce sont des villageois qu'on a mis dans une espèce de cage à hamster, enfin bon, qui ressemble à un truc de marchand. Voilà. Et c'est vraiment bien fichu. C'est... Ah, je précise qu'au passage, normalement, il y a un pack de textures, mais bon, je vais pas penser à le télécharger. Moi, je l'ai pas mis non plus, pour la simple bonne raison, c'est du 32/32, il me semble, oui, c'est ça. On vous l'invite à le télécharger parce qu'il allait plutôt pas trop mal, mais il n'apporte pas non plus d'énormes changements. Et de toute façon, aujourd'hui, je suis pas dans la gueule vidéo. Et alors, Dusterhertz, là où on a le souci du détail, regardez-moi ça. Voilà, alors, attends, je vais sur la plage pour lire le petit panneau, parce que quand même, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Alors, look at this. Le petit panneau, il est là. Ah, il est ici. Alors, voici le petit panneau. Je veux pas dire pour un requin, ça fait quand même gros. Voilà, donc, avec un... Oui, non, c'est normal, on est dans Shark Attack. Donc, attention, les requins peuvent être présents, faites attention. Et là, excellent, on se baigne dans l'eau, et on peut faire, à tout moment, se faire manger par un requin. Donc je vais vous montrer Monsieur le requin. Oui, on est dans Minecraft, hein, ne vous inquiétez pas, le requin ne peut pas vraiment vous manger. Il dirait limite, hein. Tu sais, ça se trouve c'est des sous-marins espions. Ça fonctionne pas. Ouais, mais enfin, discrétion, on a vu mieux quand même. Hein. Oh. Oui. Alors, par contre, je pense que le pack de texture en question doit changer la glowstone parce que... Ouais, je pense aussi. Oula, ouais, je me donne un petit peu avec des chanks. Et donc nous voilà dans la plage. Et alors, tout est vraiment bien fichu. Regardez-moi ça. Le parasol, on le reconnaît. Les bains de soleil, on les reconnaît. C'est absolument magnifique. Ces petits chariots de plage, encore une fois. Vendeur de gâteau, là, pour le coup. C'est vraiment bien fichu. Voilà, donc on reconnaît qui surveille la plage. Hop. Puis en plus, j'ai mon brevet de cyclisme, je peux y aller. qui s'appelle Enma, donc, tu dis? Donc, c'est le mec qui a fait ça, ça s'appelle Enma, et donc la map, c'est Olan Island, pour répéter un petit peu. De toute façon, vous aurez les mêmes comme d'habitude dans la vidéo. Hein. Nos sous-sols. Ah, et ça, c'est pas mal, faire le filet de... J'ai trouvé ça excellent. Le filet du volet... En...
Alors ça, par contre, on le voit un peu partout. C'est vrai que on a tendance à faire ça assez souvent. J'ai envoyé le ballon. Hey, Mr. Hertz, viens. Et on se fait une partie de, on se fait une partie de badminton avec Yus Kilo en balle, en volant. Bref. En non, plus, c'est du volet. Tu fais fireball, tu fais flink. Bon, allez. Donc alors là, nous sommes venez. Nous sommes au casino. Un très beau casino, très bien fichu. Ah. On voit les ascenseurs là sur les côtés. Ah, oui, franchement bien fichu, vous savez. Alors oui, les palmiers aussi. Avec, je vais chercher une noix de coco pour vous montrer. Donc voilà, ah, voici la noix de coco. Ah, oui. Je vous présente. C'est vraiment magnifique. Les palmiers avec les melons qui ont été mis au-dessus. C'est exactement ça. C'est alors, vraiment. On peut dire quand même que qu'il a le souci du détail. Hein. Ah oui, oui, ah, oui, oui c'est quand même très belle. La fontaine est bien faite. La fontaine est vraiment bien fichue aussi. Il y a pas l'intérieur encore qui est... c'est encore plus aussi du détail. Alors par contre, je vais essayer de rentrer avant moi parce que malheureusement, je ne suis pas majeur, donc je ne peux pas rentrer dans ce type d'établissement. Bon, je rigole pour la vidéo, bien sûr, je rentrerai. Mais au pire, on s'en fout, hein. Voilà. Voilà, oui, alors, bien entendu, les casinos, les jeux, tout ça, c'est réservé aux majeurs. N'utilisez pas votre crédit à des fins stupides, comme aller jouer à Dofus ou à Wokfu. Non, je déconne. Je suis en train de troller Yuskilo. Merci bien, moi j'utilise pas mon crédit pour ça. Yuskilo, mon petit Yuskilo, ce que je te disais tout à l'heure, viens voir, regarde, je vais jouer aux machines à sous et regarde-moi ça. Ah, je me suis planté, bon c'est pas grave, nous avons rien vu. Tadam ! Regarde, j'ai gagné, c'est le gros lot. Alors vous apprendrez que Dusterhead qui se plante, c'est assez fréquent en fait. C'est même courant, ouais. C'est même ouais, courant, voilà. C'est vrai, et donc, ce casino, dans les... regardez-moi ces couleurs. Il a réussi à nous faire quelque chose de beau et limite baroque, parce que c'est quand même vachement surchargé au niveau du décor. C'est quand même. Et ce qui est excellent, moi, c'est qu'il a quand même réussi à retranscrire l'aspect néon des bars avec de la laine rose. J'aurais jamais pensé que c'était possible, et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des néons. C'est vrai que c'est magnifique. Et alors donc les bouteilles qui sont les... comment on appelle ça? Les cafetières, moi j'appelle ça... Les alambics, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des alambics. Hein. Si je me trompe pas, on appelle ça des shakers ou... Non Oui. On a remplacé les shakers, les bouteilles par des alambics. Et l'effet est là, quoi. C'est vrai que c'est fait. Et donc c'est pas pour rien que qu'elle arrive à première, cette map. Hein. Oui, elle arrive. C'est vraiment. On va peut-être essayer quand même d'avancer parce que là, ça fait déjà je sais pas combien de temps. Ouais, au moins 30 minutes qu'on est dans ce casino. Non, je déconne. Voilà, donc on va monter à l'étage. Les machines de jeu de cartes. Cette map est très belle. Qu'on s'attarde quand même un minimum sur ce qui a été fait. Alors, regardez-moi ces lampes. Je pense qu'elles sont beaucoup plus belles une fois qu'on a mis le pack de texture. Déjà avec le pack de base, au moment où il n'y avait pas encore les lampes de glowstone, c'est quand même une petite révolution. C'est quand même. Ah, il y a pensé, hein. Il a mis de l'or dans chaque machine. Dans chaque machine. Il aurait quand même fallu mettre des flèches à certains endroits. Ça aurait été plus marrant. J'aimerais gagner des lingots d'or moi au casino. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Mais c'est les jeux de cartes tout ça. Et alors attention, parce que nous sommes des VIP only. Nous pouvons nous permettre de monter au dernier étage. Ah bon, des VIP, d'accord. Et là, c'est là où j'ai trouvé ça excellent. On y va. C'est vraiment la couleur. T'as vraiment l'impression d'être dans un bar VIP. Effectivement, je vois le genre. C'est ce genre de bar là. Oui, voilà. Alors, j'avais promis. Alors, Yuskilo, prime ça. J'avais promis à Alphus que je lui ferais ce qu'il fallait faire pour ça. Donc filme-moi ça. Juste pour ça, je remets en cours mon enregistrement. Non. Bon, j'arrête là. Mais voilà, c'est vraiment... Moi, pas ce genre de bar où on prenait un alcool fort pour désinfecter le verre. C'est vrai que ça fait très classe. Voilà, c'est ça. Il y a même des coins là où les mafieux ils travaillent et qui veillent pour des échanges. Il me semble que je peux blanchir l'argent dans ce casino. Cela me semble intéressant. Viens de sniffer une drague de coke. Oui, c'est en parlant de blanchir, oui, c'est clair. Pour les filles aussi.
Alors, bon, bah, alors, voilà. Yuskilo, arrêtons. Voilà. Bon, sortons de ce cas. On va devoir mettre un Peggy 18 sur les vidéos. Non, ne parlons pas de ça, merci. Peggy 18. Non. Alors. Oui, non, c'est bon. Bon, bah, je te suis, hein. Donc, alors, on enchaîne sur le pont. Avec mon viseur à l'endroit le plus important de notre cher Duster Hertz. Je veux savoir où elle vise. Donc on va monter bon, ouais. J'ai encore un petit bug de chunk. Je m'excuse d'ailleurs. Ah, c'est bien pensé. Alors, je pense quand même qu'il faudrait essayer le pad de texture. Hein. Ouais, mais bon. Les cabanes de plage, vous êtes arrêté 5 minutes sur les cabanes de plage. Oui, moi. Elles sont vraiment magnifiques. Bien pensé, hein. Le haut est bien respecté aussi avec le fameux coup du bicolore. Vous voyez, vous regardez. Vous voyez la montgolfière qui est franchement bien fichue aussi. Oh, et un deltaplane même! Et pas qu'un même! Il y en a pas qu'un, tout à l'heure tira sur la rampe de lancement de deltaplane. Oui, on ira sur la rampe de lancement. Donc, et là on se retrouve avec un manège. Et ça, c'est franchement bien fichu. Le coup du manège, c'est. Alors, malheureusement, on peut pas monter dedans parce que il y a que les villageois qui inspectent le village. Après, sinon, on peut peut-être cliquer un minecart en cliquant sur. Ah non, ça marche pas. C'est nul. Moi j'ai une solution très simple. C'est nul. Vas-y, tu l'es. Mort. On ne fait pas du tueur de forain. C'est bon. Tu vois, tu as une tête de forain d'un coup, ça. Ah, tu vois. Ça fait beaucoup de choses. Ah, il y en a plus qu'un. Wouhou, je tourne et je tourne, j'ai eu un bug et je retourne. Wouhou. Oui. Oh, magnifique. Vous voyez, une épée en diamant, ça règle tous les problèmes. Oh. Par contre, c'est un peu vomitif comme principe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, parce que là, sinon... Bon, bref. Donc, après avoir ce tournis, j'aurais dû mettre ma vidéo en 3D, je suis sûr que je serais... Mort. Décédé dans mon par étouffement par mon vomi, voyez-vous. Ouais, bref, hein. Voilà la grande. Pardon, l'effet rapidité. Regardez-moi cette grande roue, elle est magnifique. Alors, moi, elle est magnifique. Elle est buggée. Il y a encore un bug de junk. Voilà, on va sauter, on va se surlever. Voilà, voici cette magnifique. C'est bien pensé, hein. Tout est de là. Oh, regardez-moi ça. Même les chutes mortelles, aïe. Venez voir ne serait-ce que le guichet. Oh, avec un livre. Regardez ce qu'il a fait. Oh, avec un livre, pour en quelque sorte donner le ticket de caisse, on pourrait imaginer... Bonjour, moi je vous donne de la vitesse. Ah oui, alors pourquoi des potions de rapidité? On vous expliquera ça tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Voilà, pas avant. J'ai remarqué un truc. En montant, regardez, il y a des villageois qui sont plantés dans certaines des trucs pour monter dans la grande roue. Certaines cabines de la grande roue sont prises. Il y a des villageois. Oui, il y a des cabines de la grande roue, il y a des villageois. Moi, je t'aime pas. Je vais faire un petit slash time death parce que là, c'est pas très difficile. Attendez, juste dommage, le coup de soleil était magnifiquement buggé. Ah. Même c'est façon, bien, en attendant les Goliots qui sont en train de s'amuser dans le... Ah, c'est bizarre, vous êtes perdus d'un coup. Visiter ailleurs, les marchands d'art, des marchands de tableaux, tout simplement, avec des gâteaux, des... Oh, ça fait penser à ces vendeurs à la sauvette à la sortie de Disneyland Paris. Avec tout le monde débile. Je suis à Disneyland Paris, mais ne serait-ce qu'autour de la Seine, vous avez ces petits étals mis dans des caisses. C'est très bien d'ailleurs. Par contre, là, il y a un truc qui serait drôle à faire avec un arc sur des minecarts. Voilà. Qui serait drôle à faire avec un arc sur des minecarts. Je n'ai pas compris. Il est en train de détruire les minecarts avec son arc comme il s'amuse tant à nous le faire sur notre serveur et qu'ils arrivent et paf et pouf, on n'a plus de minecarts. Voilà, on mangeait, mes chers. Ah, on est sur notre serveur, mais c'est juste que c'est pas la map habituelle.
La mauvaise du ciel, on sait pas si on vous la présentera, ça dépend si vous êtes sage, voilà. C'est là où vous préférez, ça c'est mon endroit préféré. Cookie. Cookie. Préféré, voilà. Là où il faut bouffer, tu vois. Voyez, spectateurs, voyez notre mascotte du serveur, en fait. Non, on va pas dire mascotte. Du coup, oh. Mascotte du serveur. Alors ici, voilà, alors on va vous présenter du coup un magnifique tour de map très rapidement. Ça va être la magie du diable avec le roller coaster. Et au skilo, je crois que tu mets de la rapidité. Oui, voilà. Tu m'as mis de la rapidité. C'est pas grave. Voilà, je l'ai aussi fait à notre cher Duster. Déjà. Allez, wouhou. Prime minecart, c'est bon, j'ai déjà le mien. Bitch, please. On prend celui de gauche. Oui, t'as pas le choix parce que celui de droite, il est bugué. Il est pas allumé, donc il démarre pas. Droite est bugué. Et pourquoi il est bugué? Non. J'ai oublié de monter dans minecart. Oui. Donc, voilà, oui, ça c'est la map. Donc alors moi oui, je suis craché. Il est nul. N'empêche c'est vraiment la map. Excuse-moi de te couper, mais on est à combien au niveau de la vidéo? À 17 minutes. Même pas. Peut-être couper le 17 minutes, c'est-à-dire 17 minutes compte. Oui, en tout. Ah bon bah on va peut-être dire au revoir pour cette fois. À nos chers spectateurs et on les reprend dans le prochain épisode. Ouais. Donc, ah, ça pour les prendre, on va les prendre. Uniquement les femmes. Magnifique tour de map d'ailleurs encore dans Minecart, donc vous nous retrouverez à la fin de ce Minecart.